What's up guys, Power Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'aspect sur le Watch Dogs. Donc en avant, mission suivante, nous avons donc notre nouvelle base super stylée hein, qui est dans donc une planque de clochard juste ici. C'est vraiment au grand génial. Donc attendez, on a la petite télécommande magique qui va nous permettre d'activer le pont. Ouais, il était pas déjà activé, je me suis dit mais tant... Attends, je viens de me bloquer l'accès. Donc voilà, je sens que cette petite base va être tout à fait chiante hein, si à chaque fois il va falloir la quitter de cette manière là. Ok, oui bah excusez-moi messieurs. Comme vous pouvez constater, j'ai eu mon permis hier soir après avoir menacé celui qui me faisait passer le test. Donc on va prendre cette petite route. Ah putain. Bah ouais, écoute, J'ai oublié mes vitamines ce matin. Donc on risque de se planter plusieurs fois sur la route hein. Il va y avoir quelques soucis. Le petit café là, il n'est pas très bien passé. Donc écoutez, en avant. Donc toujours hein, j'ai oublié évidemment ce qu'on allait faire là-bas. On nous a dit qu'à notre retour on aura fait le ménage dans toute la base. Et pour l'instant voilà, Watch Dogs m'intéresse tellement que j'oublie. D'ailleurs je me rends compte que j'oublie de plus en plus en ce moment. Surtout bah surtout quand c'est question de jeux vidéo et d'histoire. C'est comment lire, je sais pas. C'est qu'il n'y a rien qui me captive, tout à fait. Bah, vous voyez à quel point je suis concentré sur le jeu. Il n'y a rien qui me captive en ce moment. Et bah j'espère que ce ne sera plus le cas pour les prochaines sorties qui arriveront donc fin d'année 2014. Hein, donc on nous a promis des gros trucs à l'E3. Hein. Comme par exemple justement des nouvelles sorties aussi en début d'année 2015 qui ont l'air assez monstrueuses. Donc j'attends ça avec impatience. Pourquoi t'as direct une arme dans la main toi? Oh mon dieu! Laissez tomber, j'ai ma Thompson chérie. Vous allez vous faire annihiler. Qu'est-ce que t'as toi? Voilà, tire en pleine tête. Oh mon dieu, il est fou. Ah non! Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui m'a mis des balles? Je crois qu'il y en a qui se mettent... Oh l'enfoiré! Oh, c'était un ninja! Oh non, j'ai trouvé mes collègues ninjas de la Tessie. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Non, en fait, au début, je voulais sortir mon flingue silencieux, mais je sais pas pourquoi. Aiden, il a dit non, Thompson! Le gros bourrin là. Attends, mais je veux pas cette arme. J'ai toujours ma Thompson, moi. Celle-là, mais je veux le silencieux pour commencer, évidemment. Hein. Tant qu'on peut faire des kills en mode furtif, il faut en profiter. Bon, j'ai hacké l'élévateur. Oh mon dieu, headshot! Avec la tache de sang qui est vraiment magnifiquement alignée. Est-ce que vous pensez que je chope le mec de là? Les viseurs sont trop mal ajustés. Mais il a par contre, il a entendu les balles siffler. Le mec, oh mon dieu, il se passe quelque chose. Mais non, mais ça m'énerve un petit peu ces coups-là. Là, parce que le viseur était clairement sur sa tête. Mais non, pas du tout. Tu ne meurs pas, tu ne prends pas la balle. D'accord, bon, alors là, ça va être compliqué. On va s'avancer délicatement. Du coup, ils sont tous aller vers l'endroit où potentiellement j'étais hein, avec les balles. Sauf que là, ce qu'ils s'attendent pas, c'est que je vais tous les tuer. Ça, c'était vraiment très con. Je le pirate. Voilà. Celui-là. Un autre juste ici. Et du coup, il reste plus que le petit con tout seul là-bas. Hein, que t'es un petit con tout seul là-bas. Viens prouver à tous ces gens que t'es un petit con tout seul là-bas. Viens par ici, je vais te présenter. Ah là, frag vétéran. Et des moments, je me fais des frags vétérans, je sais absolument pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire. Et là, apparemment, j'ai une nouvelle arme, le gobelin. Un gobelin, les amis, c'est super. Est-ce qu'elle est bien? Oh, j'aime cette sensation quand on tire. Donc là, ok, on va s'introduire dans le système. Ok. Alors, comment ça va marcher pas ici? Je sais même pas où est... Ok, la zone de départ est là. On fait ça, voilà, ça se débloque tout seul. Moi, je mets un peu des trucs au pif, hein. Ça marche, hein. Voilà, tac, là comme ça, et là j'imagine que si je fais ça, ça va être, it's a kind of magic, voilà, c'est super. Donc une fois qu'on s'est introduit, donc voilà, là il y a des bornes CityOS, on va pirater ce truc pour le kiff, pirate ça, je sais pas si ça donne des données supplémentaires, là il y a une caméra, voilà, et on va pirater le truc là-bas, voilà. Donc ça y est, on a piraté le serveur CityOS.
Donc maintenant je pense qu'on va localiser une personne. Je crois que c'était ça l'intérêt, non? Parce que généralement les 7/8 du temps quand on pirate un truc CTOS, c'est pour tracer une personne je crois. Donc après... Oh j'adore les vieilles voitures dégueulasses comme ça, vas-y. Laisse-la moi s'il te plaît. Non je déteste mais... mais bon voilà. Quand il faut une voiture, il faut une voiture quoi. Donc en avant, oh bah tiens c'était juste à côté. Tu iras récupérer ta caisse mon gars hein. Tu marcheras, ça te fera pas de mal toi. Donc bidouillage, hop, voici. Et je crois que c'est une map du multi ça, non? Je crois bien hein. Ça me fait penser, bon. Enfin bref, on va lancer la mission suivante. Alors on va plutôt vite, c'est cool. Pour info, je te vois plus sur ma grille, t'as disparu. Ah, Rossi Fremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens? Ils ont fait avec, ou ils sont partis. Je vais jeter un œil et essayer de voir ce qu'ils manigancent. Oh, ça commence à être sympathique, là, le jeu, un petit peu, non? Là, vous voyez, on fait beaucoup de... d'attaques, là. Ça j'aime bien, vraiment. Hein. Où on fait un petit peu le discret et tout, t'as vu? Alors là, c'est un enculé, boum. Headshot, par contre. Voilà, merci. Bon. Je vais m'affiler. Alors, il y a des moments où je comprends vraiment pas. Je pourrais jeter un œil à l'intérieur. Voilà, donc lui, il est mort. Pour le moment, on se débrouille plutôt bien. Non, vraiment, c'est cool. D'ailleurs, normalement, je pense bourriner les épisodes Watch Dogs, là. Enfin, pour moi, hein, c'est-à-dire que je vais en filmer plein d'un coup. Donc, si j'écoute pas vos conseils, c'est tout à fait normal. C'est que j'en aurais fait vraiment plein d'un coup. Mais par contre, évidemment, vous aurez pas les épisodes tous postés au même moment. Hein. Faut pas arriver non plus. Je l'ai fait, comme ça, en plus, je prends de l'avance. Et ça, c'est buenos pour moi. Allez, go, 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 go. Alors, lui, ça a l'air d'être un gros enculé. Est-ce qu'il faut le tuer? C'est le capitaine, c'est ça? Parle allemand couramment, mais c'est génial, qu'est-ce que je m'en fous? Alors, qu'est-ce que tu veux, toi, déjà? Alors, lui, il veut faire le malin, je crois. J'aimerais bien avoir un fusil d'assaut silencieux, en fait, parce que dans des cas où les mecs sont vraiment loin, comme ça, et qu'ils veulent absolument pas se prendre de balles à la tête, ah bah, alors, toi, t'as pris très cher. Donc là, il reste plus que 4 ennemis indiqués sur ma map. On va faire une petite couverture par ici, une autre par là. Et vous savez quoi? On va alors sprinter un peu dessus. On va les pusher. Et visiblement, il y a plus de 4 ennemis parce qu'il y en a voilà, qui sont juste là-bas. Ils n'étaient pas en surbrillance en fait. On va moins faire le con finalement. Mais on va quand même pusher. On push, on push, on push les amis. Hop. Salut toi. Comment ils sont pas à l'affût du tout? Headshot. Ils sont tous en habit de l'armée, genre, mais... Alors déjà, lui, je vais le faire exploser. Ah, enlevez mon téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Boum. Voilà, comme ça, là, on va tirer un peu du monde. Mais attendez. Mais il y a un mec qui a explosé par là-bas, je crois, non? Je suis pas sûr, hein. Qu'est-ce qu'il m'a vu? Alors là... Alors là, s'il y a des personnes qui commencent à voir la vision de l'aigle, là, ça va pas le faire, hein. Où est-ce que vous êtes, Bolil? Prends des anti... Non, des anxiolytiques. Couverture. Ancien mécanicien dans l'armée. Eh ben, ça ne m'étonne pas. T'as dû voler les habits. Le mec, il est parti avec... Oh, je peux garder mais mon uniforme, oh, franchement, ouais. Donc, attends, qu'est-ce qui... Est-ce que vous pensez que je lui mets le headshot? Ce viseur de merde, là? Meurs. Pas du tout. Bon, ça marche absolument pas. Hein. C'est vraiment chiant quand ils sont longue distance. On va se planquer. On va quand même prendre la Thompson parce que évidemment c'est la meilleure arme du jeu, non? Ah non, le gobelin est au même niveau que la Thompson. La Thompson a 50 balles dans le chargeur. Quoi, regardez la Thompson, hein, écoutez. Pour tuer les derniers ennemis là. Enfin, exploser le truc, comme ça il va stresser un peu. Oh mais regardez, il va exploser, vite, je fuis moi. Oh. Et toi aussi, voilà, ça c'est parfait. Là il reste quelques ennemis par là. D'ailleurs, il y en a un qui essaye de me sniper là. Ah bah, presque réussi. Ah, tu dégages. Ah ouais. Ah ouais, mon gars. Meurs. Voilà, tire en pleine tête. C'était absolument pas voulu. Ah, ils sont en train de ramener des renforts. Merde, j'avais pas pensé à ça. C'est pas grave, on va vite utiliser ce truc. Donc on fait exploser. D'accord, c'était pas ça. Je me disais aussi, mais c'est quoi, c'est bizarre. Donc on utilise. Dépêchons, monsieur, parce que là, ça va être la guerre des gangs. Donc déjà on a utilisé une borne. Allez, on va utiliser toutes les bornes en continuant à se battre hein. Nous on est des putains de warriors. Donc en avant.
go, 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 go. Donc là, déjà, deux ennemis. Allez, c'est parti. Élimination. Oh, my fucking god. Le deuxième a l'air plus dur que le premier. Merde, il va rappeler des renforts. Non, pas les renforts. Merde, trop tard. C'est pas grave, les amis. Confiance en nous. Allez, hop, tumeur, neutralisé. Go, 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 go. On utilise ce truc. Allez, Aiden, allez. On nous tire dessus, Aiden. Bouge ton cul. Allez. Hop, 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 suppression. Tir précis. Ça y est. 3 cibles neutralisées. On se planque 2 secondes, on récupère notre souffle. Headshot. Et toi, t'aurais pu mourir aussi, hein. Au cas où, je sais pas trop. Si tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave. On va aller le pusher. D'accord, tu fais malin. Allez, hop. Frank vétéran. Hop, go, 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 go. Plus que la dernière borne. Il y a des petits cons là-bas. Ils ont toujours... Ils doivent avoir vraiment... l'oreille sur le... Allez. Au moins, on aura rempli l'objectif. Et maintenant, c'est... La porte est ouverte, déverrouillée. La tour CityOS. Ah, donc de nouveaux ennemis apparaissent. Attention, un Pokémon sauvage est arrivé. Yo! Vous avez été KO. Amir et Mohamed sont morts. Je suis sûr qu'ils s'appelaient comme ça en plus. Attendez, venez, on vérifie leur tête. Je sais pas si on peut quand ils sont... Oui, on pouvait quand ils sont morts. Comment il s'appelle lui? Ah d'accord, il s'appelait Gaël Olivier. Et Jibber Corée. Excusez-moi, je suis totalement raciste. Le type quoi. Ah, ça y est. Vous entendez ça? Ça, c'est le doux bruit des travaux. Ça veut dire que je vais pas pouvoir bourriner plusieurs épisodes. Ah, c'est génial. Au cas où, je tiens quand même à préciser que je suis entièrement pas raciste, hein. S'il y a quelqu'un de moins raciste en ce monde, je crois que ça serait moi. Le mec moins raciste que lui, c'est lui, t'sais. Ouais, bah, tout à fait. Allez, c'est parti. Il y a toujours le même fichier audio de l'autre, là. Il y a écrit Irak 01, là. Putain, oh, wow, qu'est-ce qui se passe, là? Les mecs se sont téléportés. Bon, faites pas les cons, là. Oh non, ils vont ramener une voiture par ici. Ok. Tout doux, hein. Couverture. Hop. Je pense que je me suis un peu fait cramer, mais... Ouais, bon, on va sortir le fusil à pompe, c'est le moment, je crois. Ah ouais, garez bien votre voiture ici, au calme, hein. Boum. Boum. Allez, qu'est-ce que tu te caches derrière ta caisse, là? Attends, y'a un mec qui... T'es sérieux, toi? Est-ce que tu es fucking sérieux? T'as cru que j'étais un baiser, vraiment. Voilà, tire en pleine tête avec un fusil à pompe. Y'a plus de respect dans ce monde. Allez, qu'est-ce que j'ai... C'est quoi ces fusils à pompe? Allez, celui-là. Alors, on se couvre ici. Bon, bah, vous savez quoi? Fuck. Fuck the turfu, les amis. C'est parti, en avant. Boum. Headshot. On va faire exploser ce connard. Oh, mais... Arrachez-moi ce truc, là. Boum. Triple kill. C'était absolument pas prévu, mais on va dire que c'était prévu. Alors on va ramasser cette arme là, la PP2000, voilà. Ah non, la R2000, d'accord. Donc une nouvelle arme, qui est dans la catégorie des pistolets, mais c'est bien un PP2000. Hein. Enfin, c'est la même arme, mais là ça s'appelle la R2000, entre autres. PP2000 qui est présente dans le Modern Warfare 2 et dans le Battlefield 3, il me semble. Plus d'autres jeux, mais... C'est là où je l'ai joué, l'arme. Donc, on va passer par ici. Parce qu'il faut savoir que vous avez souvent retrouvé des armes très similaires dans plusieurs jeux vidéo qui n'auront pas réellement le même nom. Et cela pour une raison que je trouve totalement bête, hein, je tiens à le préciser, c'est que sur les noms d'armes, il y a des droits d'auteur. Oui, oui, les amis, sur les armes, il y a des droits d'auteur. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voulez écrire FAMAS dans un jeu vidéo... Eh bien, il va falloir payer à l'armée française des droits d'auteur. Enfin, c'est totalement ridicule. C'est comme si ça prend une dimension artistique presque, le truc. Enfin, bon, je suis d'accord que par exemple, si tu dis Coca-Cola, il y a des droits d'auteur. Mais là, on est quand même dans le domaine de l'armement. Et enfin, du moment que tu nommes pas une arme dans le monde réel par le même nom qu'un de ses congénères, enfin, tu devrais même pas avoir le droit de demander des droits d'auteur sur le nom de ton arme dans un jeu, quoi. Enfin, faut arrêter de déconner. C'est ton arme, elle va servir à tuer des gens. Bon, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait appeler une arme de prévention.
Mais avant tout, le but de l'outil, c'est quand même de tuer des personnes. Bah, un minimum de respect, tu vas pas non plus te faire du fric derrière quand c'est surtout utilisé pour des œuvres purement culturelles, quoi. Enfin, il y a des moments où il faut arrêter de déconner. Bon, c'est vrai, après, je dis pas que Watch Dogs c'est une œuvre purement culturelle, parce que c'était quand même un sacré moyen de s'enfiler du fric, hein. Comme d'ailleurs les BF et les Call of Duty, hein. Donc en fait, tous les jeux qui utilisent ces armes, hein, et ces noms. Donc au final, ça tombe un petit peu à l'eau, ce que j'ai dit. Mais c'est pas très grave. Trafic d'armes, bah, tiens, en parlant de ça, bon, on va te faire fermer ta gueule, j'ai pas du tout envie de faire ça. On va aller juste à l'objectif. Est-ce que le pont s'est refermé derrière? Absolument, ouais, c'est super ça. Hop là. Le pont est là pour m'emmerder, vraiment. Bon, je fais le chemin en voiture, hein, tant qu'à faire, on va pas faire le déplacement rapide, même si j'aurais pu le faire. Hein. Vu qu'on peut faire des déplacements rapides seulement vers notre base. Et vraiment seulement. C'est putain de dommage. Ah putain, d'accord. Oui, bah oui, ça y est. J'ai bousillé la caisse. Je crois que c'est censé être une Maserati, ça. Voyez encore les noms des voitures, je comprends qu'on puisse pas utiliser les mêmes. Bah après, les noms des armes, enfin, moi, ça m'offusque un peu quand même. Allez, on démarre la mission. Bon bah voilà. Donc là, on va se faire transporter gentiment. C'est génial. Est-ce qu'il y a vraiment un clochard qui dort ici? Parce que le mec il dit ma maison, ne emmenez pas ma maison, j'ai déjà tout perdu. Ah ça me ferait vraiment de la peine. Donc attendez, là on est arrivé. Tu vas, t'as fini? T'as trouvé ce qu'il te fallait? Pour l'instant, oui. Ok, écoute, je comprends parfaitement que t'es la trouille. J'ai pas la trouille. Personne m'a demandé de rester. Personne t'a demandé de partir. Il va falloir faire mieux que ça. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton aide. On fait équipe? Ok, on fait équipe. T'es pas habitué à faire équipe? Non, pas trop. C'était si dur que ça? Non. Alors au travail. D'accord. Oh là là, comment on va se la baiser celle-là? Non, vraiment, ça devient chiant, hein. Les jeux comme ça, là vraiment, la film américain. Mais comment dire? Enfin voilà. S'il vous plaît, de l'originalité, je vous en supplie. Putain. Non, franchement, vraiment, hein, je me pose quand même la question toujours, hein, j'ai dû le répéter de maintes fois, mais... Est-ce qu'on paye des scénaristes sur ces jeux, quoi? Enfin, est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils ont des royalties? C'est... Ça me rend fou. Enfin, c'est... Hein, le mec avec le flingue, la meuf qui baise. Enfin, voilà, quoi. Faut arrêter de déconner. Faudrait peut-être commencer à faire des trucs genre putain de complots. Enfin, des complots de fous, des trucs ultra travaillés. Mais bon, ça... Enfin, voilà. Vous voulez des vrais bons jeux? Dead Space, Infamous, Bioshock. Hein. Pour moi, c'est le trio de légende. Hein. Mais ils sont ce préféré. Mais putain, t'as pas entendu ce que je t'ai dit? Ici du dernier Dead Space et du dernier Infamous, hein, faut l'avouer. Attends, on va utiliser la nouvelle caméra. Et voilà, on va s'introduire dans le réseau CityOS. Et on a un temps, donc ça a l'air d'être assez bordélique d'ailleurs. Je fais ça. Et que je fais ça, voilà. Donc là, je débloque celui-ci. Je fais ça. Là, on fait comme... Absolument pas cette merde. Ouais, mais c'est cool, dis donc. Comme ça, tac, tac, tac. Ah bah voilà. C'est déverrouillé, et là, et voilà. No stress. Donc déjà, on va récupérer ce petit enregistrement audio, là. Je peux pas. Voilà, donc XP plus 500. Fichier audio Irak 3. Donc, ils me disent de regarder vers le haut, mais y a rien. Il y a quelque chose à faire. Ah voilà, ascenseur, caméra.
Putain, là, non, c'est la première fois. C'était hardcore, là. Hein. J'ai failli rater la caméra. Ah là là, mais quelle honte, ces jeunes. Regardez-moi tous ces tags. Et ils disent que c'est une façon de s'exprimer. Mon cul. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On pirate ce truc. Ok, système. Personne ne monte, ok. Il y a une caméra sur ta gueule. Et j'aimerais... Ah non, mais non. Ah mais t'as tout raté, toi. Hein. Ah, tu m'as fait tout rater. Voilà. T'es content? Il y avait un truc à pirater là-bas. Oh, mais alors, moi, je m'en bats les couilles. Je vais mettre 30 ans à repartir de là où je viens. Parce que je suis totalement débile. Je suis un putain de PNJ de jeu basique. De blockbuster qui est là pour faire les foufouilles. Donc écoute, voilà, moi je repars en arrière. Et le joueur est à pouvoir pirater, voilà, parce que moi j'ai rien à faire de ma vie. Donc bon, bah je me balade entre ici et là-bas. Et celle en fait. Allez hop. Je prends la caméra. Et je pirate cette merde. Allez, en avant. Donc, hop, comme ça. Oh mon dieu. J'ai activé la défense réseau système. Hop, pas ici, tac, oh. Oh là là. Qu'est-ce que c'est drôle, franchement. Oh, je m'amuse. C'est grandiose ce jeu. Oh, hop là, pas ici, tac. Oh, fantastique. Oh là là, ouh. Oh là là, ouh. Oh, franchement, qu'est-ce qu'on ferait sans ce système de gameplay révolutionnaire? Hop, caméra. Caméra, ah non, pirate. Ouh, caméra de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? On doit repirater quelque chose. Caméra TM. Je vais pouvoir voir ton code bancaire, mais c'est génial. Je vais... Caméra truc là. C'est un peu relou là, je sais pas. Je sais pas si vous remarquez que c'est en train de me faire un petit peu chier. Voilà, en fait le truc pour pirater est derrière moi. Et je ne vais pas réussir. Vous travaillez sur 9 écrans en même temps, vous êtes des fifous de la vie. Hein. Ils ont... Oh, des bornes arcade. Oh les bâtards. Bon comment je fais moi? Il faut que je pirate un truc tout là-bas là. Mais ça n'a pas l'air vraiment faisable en fait. Attendez, caméra. Une fois que ça s'est fait. Ah bah voilà, là il y a une échelle. Et il y avait une caméra juste au-dessus. Bah ouais, bah tout à fait. Enregistrement audio, ouais, c'est quoi? C'est Irak 5 cette fois? Irak 4, ah, allez. Là, on pirate ce truc. Là, il y a une nouvelle caméra. Putain, j'entends des gens baiser, j'ai l'impression. Putain, je vais arrêter de prendre les fichiers audio, moi je sens. On pirate ce truc. Et voilà. Alors, où on est là? Oh non, mais arrêtez, mais je vais devenir fou là. Oh, c'est chiant. Allez, Irak 5, c'est parti. Irak 5, j'ai dit. Merci. Oh, joli boucho. C'est genre le mec. Mais c'est génial. Oh là là, j'ai bien fait d'acheter ce jeu. Comment je fais maintenant? Comment je fais pour atteindre ce truc là-bas? Putain, on va passer un an sur ce gameplay là où t'es obligé de passer de caméra en caméra. Allez hop là, comme par hasard t'as le mur, il est un peu pété. Ah ouais, mais d'accord, je reviens au point de départ. C'est au grand génial ça. Ouais, donc on passe à cette caméra ici. Et bordel, ah voilà, donc une caméra là. Ah. Sauver mon âme. Ah non. Bon bah voilà, on attend qu'ils repartent comme un débile. Oh non. Ils vont jamais m'accepter à la table de poker. J'ai qu'un seul dollar. Allez, je rentre chez moi. Hop. Alors, c'était par où déjà? Je crois que c'est à droite. Hein. C'est là où il peut pirater les trucs, Aiden. Donc on va aller à droite. Après on va aller à gauche. Il y aura sûrement une caméra. Et il pourra se débrouiller tout seul. Donc elle est où la caméra? La caméra, elle est ici. Voilà, c'est génial. Là, une nouvelle caméra, donc on est en face. Salut gros tête de con là. Vas-y, retourne voir les tableaux poker et tu vas te rappeler que t'as plus qu'un dollar. Ah, ciao, bonsoir. Donc ensuite, une nouvelle caméra ici. Ah, elle me parle l'autre là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Salut. Oh, toi, une sale gueule. Tout le quoi que t'es... Côté le padlet ici.
C'est moi le padre. Ah, c'est toi, Irak. Viens ici, Irak. Papa est pas content. C'est genre un mec, bon, allez, s'il vous plaît. Ah, mais ça, c'est pas le moment où il va se faire massacrer, le mec. On t'a chié dans le cerveau, quoi. Tu te souviens du yinche de mémé? L'autre bâtard de bulldog. Du con? Voilà. Quand on le sifflait, il déboulait direct. Mais à chaque fois, cet enculé, il pissait partout. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, en fait, je comprends rien. Écoute, t'es mauvais pour mon business. Et à ton avis, gros, entre toi et mon business, je vais choisir quoi? Monsieur Quinn est en ligne. Ton business? Quinn. Je vous charge des marchandises et de la sécurité. Et vous volez la liste de mes invités. Personne ne me vole, monsieur Irak. Attendez, ça s'est pas passé comme ça. Je crois que vous avez pas tout saisi. Vous et moi, c'est une collaboration. Vos invités, c'est mes invités. On en reparlera à la vente aux enchères, d'accord? Ne jouez pas aux nuisibles, monsieur Irak. Chez nous, les nuisibles, on les extermine. Putain de bâtard d'Irlandais fini à la bière. C'est quoi un nuisible? C'est une sorte de rat. Un rat. Oh merde. Chose. Génial, mais on l'avait pas vu déjà vu cette cinématique. Il me semblait que je l'avais déjà vu. J'ai dû la voir dans une vidéo. Comment tu pourrais entrer là-dedans? Et je parle même pas de cette pièce. Même les serrures qui se trouvent sur les portes sont codées. Le gros là, Bedbug, il va y aller à ma place. Ah oui, tu crois? Et pourquoi il nous aiderait? À mon avis, il est à deux doigts de se prendre une balle dans la tête. Donc la prochaine fois qu'il fait une connerie, je serai là pour enregistrer. Rien de tel qu'un peu de chantage pour convaincre quelqu'un. Ok. Alors DeadSec, qu'est-ce que c'est... T'es par ici. Moi je suis le pirateur professionnel. Je pirate tout ce que je vois. Mais c'est plein de vidéos, mais les vidéos elles se... Ah bah voilà, ça me donne de l'XP à chaque fois que je pirate des trucs. Je me disais que c'était pas inutile. Oh là là. Mais alors là c'est l'XP gratuit là. Mais alors là c'est l'XP gratuit. Oh là là, mais c'est fantastique. Po po po. Non ça... C'est nul, vas-y ferme cette vidéo de merde là. Donc. Bon bah on va se tirer hein. Jusqu'à trouver une nouvelle mission, mais j'ai pas de mission là. Tiens déjà. On va sortir du bunker. Et on va voir où ça va nous mener. Si j'arrive à maintenir l'attention de Damien sur ce disque dur, je retrouverai Nikki. Je le connais, il fera forcément une erreur. Faut que je sois patient. Mais là. J'ai besoin de Bedbug. Ok. On va retrouver le lit qui déconne. Enfin, en fait, bug, ça veut dire insecte en anglais, donc. On va retrouver l'insecte de lit. Le type, genre, en avant. Ouh. On voit notre allié comme ça, à travers. Alors, le bunker est ici. J'ai regardé les infos aujourd'hui. Il parlait d'une poursuite automobile près de Parker Square. C'est du Hayden Pierce tout craché, ça. Nikki est avec toi? Bien sûr. On a regardé ça ensemble. Je lui ai expliqué comment reconnaître ton style. Elle avait l'air surprise. On dirait qu'elle te connaît pas aussi bien que moi. Passe-la-moi, je veux lui parler. Doucement, doucement.
et l'adresse IP. Ok. Il y a quelque chose à Rossi Fremont. Une sorte de serveur planqué derrière une porte blindée. Il est gardé par une armée de gangsters. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai besoin de toi. T'as trouvé moyen d'entrer? Je suis sur le coup. Laisse-moi parler à Nikki. Tu vois, c'était pas si difficile. Aiden. Nikki, on y est presque. C'est bientôt fini. Qu'est-ce qui se passe? Ce mec parle comme si vous étiez amis. On n'est pas amis. Plus maintenant. Je t'assure. Écoute pas ces conneries. Pourquoi? T'as peur qu'il me révèle tes secrets? Je n'ai aucun secret. Sérieusement, Aiden. Tu crois vraiment que je vais avaler ça? Je suis ta sœur. Alors si tu es ma sœur, tu pourrais paraître un peu compréhensive. Ah, pardon. Je me fais enlever par ton ami et il faudrait que je sois compréhensive. Oui, bon. C'est sûr que si tu vois les choses comme ça... Oh, je t'ai vexée. J'ai oublié que t'étais sensible comme garçon. Oui, voilà, je suis un gros dur au cœur tendre. La récré est finie, les enfants. J'espère que ton plan va marcher. Et Nikki aussi. Super, bon. On part par là et on va faire une nouvelle mission et la dernière de cet épisode là je pense. Après petite pause Ice-T et je sens que je vais enchaîner parce que les travaux furent les plus courts de l'histoire de l'immeuble, c'est-à-dire 10 secondes. Et ça ne me gêne pas plus que ça. Donc on va tourner pas ici hein, et pas un boulot pour Tyrone. Je prends un risque avec Bedbug, mais mon instinct me dit que c'est la cible parfaite. Il a pas grand chose, mais il a beaucoup à perdre. Facile à intimider, très ambitieux, mais feignant. Ok, d'abord sa maison, pirater son portable, enregistrer tout ce qu'il dit. Ok, ah bah tiens, on va lui pirater son compte bancaire à lui. Hop là, 220$. Mais attendez, moi je comprends pas parce que les mecs peuvent nous repérer, je crois, quand on les hack. Mais comment le mec il peut... Oh tiens, je vais checker mon compte bancaire. Oh mais il manque 220$. Je suis sûr que c'est un mec qui m'a hacké à la seconde. C'est genre, tout à fait... C'est ça mon gars. Oh non, mais arrêtez avec ces trucs là, vous allez commencer à me rendre fou. Putain, c'est chiant là. Oh. Ah non, vraiment. Faut arrêter ces conneries. Comme ça là. Voilà. Non mais non. Du coup ça marche plus évidemment. Merde. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Allez. Ah ça m'a tellement fatigué. Bah là. Ah merde d'accord. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Super. Voilà. Bah non ça marche pas du tout. Comme ça. Ça. Donc là, déjà, ça fait une ligne. Ensuite, merde. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Faut faire la ligne droite, je pense. Voilà. Et là, ça le relie. Et comme ceci. Tu m'as promis que tu m'emmènerais à la brocante. Tu peux me dire ce que t'as de si important à faire? Je travaille, mémé, je travaille. Ah oui, parce que tu travailles maintenant. Tu me dis jamais rien aussi. C'est pas ça, mémé. D'accord, je vois. C'est pas un boulot pour Tyrone. C'est un boulot pour Bedbug. Ça va, mémé. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, Bedbug? Eh ben, ça veut dire je suis un player, quoi. Un quoi? Bedbug, c'est une punaise qui va dans le lit des filles. Mais c'est dégoûtant. Il me semblait pourtant que je t'avais bien élevé. Ouais, j'arrive. Bon, faut que je file, mémé. Je t'aime. Ouais, moi aussi je t'aime. Même si t'es un con. Superbe. Ce que je peux dégoûter. Superbe scène avec sa mémé. Je suis content d'avoir vécu ce moment épique du jeu vidéo. Frigo. Il me semble que j'y ai laissé une saucisse la dernière fois. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Allez, mon gars. Allez.
Bouge ton gros cul, bouge ton. Moi, je rentre dans mon fourgon. Ouais, gros, on y va. Salut, ceci est ma voiture. Hop, je rentre sans aucun souci. Et voilà, boîte à gants fouillée, 100$. Ça, c'est cool, franchement, ce système de boîte à gants fouillée. On commence à démarrer, voilà, je te laisse de l'avance, parce que sinon tu vas me saouler, t'arrêter toutes les deux secondes. T'as le mec, il voit un type qui prend à peu près la même route que lui. Attends, je m'arrête. Ce type est chelou. Ah voilà, par contre, là, quand je rentre dans la voiture d'un mec... Je sais pas. Je veux prendre des décisions, moi. Franchement, je te fais le taxi partout, quand tu veux. Et t'as vu, hein, je suis toujours à l'heure. Je suis là, moi, je t'ai jamais lâché, pas une fois. Ouais, je sais, mais... C'est bien pour ça que j'ai envie de te garder là où t'es. Non, sérieusement, dis-moi, pour ton histoire de promo, là, je suis pas censé en parler, tu vois. Mais Irak est en train de renforcer le groupe de Parker Square. Je lui en parlerai. Peut-être qu'il t'enverra la main. Putain, Bedbug, parle moins fort. Ok, bon, bah, y'a Bedbug là, je sais pas ce qu'il veut. Il y a d'avoir 3 millions d'ennemis. Le cage dans la véhicule, je sais pas pourquoi. Putain, ils attendent du monde ou quoi? On dirait qu'Irak a bloqué tout le quartier. Ouais. Non, des soldats, mec. Tu te rappelles quand Fly et son crew ils ont disparu? Ils s'étaient mis à déconner et Irak les a descendus lui-même. Je le sais, parce que je l'ai aidé à les enterrer. Putain, mec, parle pas de ça si fort. C'est ton sacré trou que cette histoire leur tombe dessus. Là, je dis ce que je veux. Quoi? Toi aussi, t'es parano? Seulement quand je suis avec toi, mec. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut pour le faire chanter. Si Irak entend ce petit bijou, Bedbug finira mort dans une décharge. Ok, donc maintenant, on peut lui foutre la merde à Bedbug. Et je fais quoi, là? Je le file encore? Il s'est arrêté... Ah bah voilà, bah en fait il a des bugs le mec, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais, il est en train de descendre, on va le suivre. Merci gros, fais gaffe à toi. Comme d'habitude quoi. J'aime pas trop ce délire en ce moment, ils ont bouclé le quartier. Pourquoi pas appeler les flics directement? D'accord, je vais perdre la cible, attendez juste deux secondes que je j'annihile ces petits connards. Oh merde! Mais je voulais tuer discrètement, moi. Oh, ta belle dac. Oh, putain. Voilà, il y avait de l'action. Là, il commence à avoir de l'infiltration. Après, il y a eu... Hack, hack, caméra, 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 filature. Ah, oh, c'est pareil, tu ne m'as pas vu. C'est chiant, mais à mourir, là. J'en peux plus, j'aurais pas dû faire cette mission. C'est la mission de trop. C'est à nous de faire la police. Ha, tout ce que vous direz sera retenu dans ta chatte. T'es un vrai ouf, mec. T'as le droit de garder le silence, sale fils de pute. Ferme ta gueule, gros. Je te colle pour outrage. Oh, un camion de glace. Putain, comment je... Oh, j'en meurs d'envie, là. Ah, non, je suis en face du truc. Ah, classe, je meurs de chaud et j'ai faim. Oh là là. C'est vraiment le truc à pas me mettre en face, quoi. T'occupes pas d'Irak, occupe-toi de moi. Oh non, mais là, j'en bave, là. Dépêchez-vous de finir cette filature. Ninja. Mais non. Ah, putain de vos mères. On va essayer un truc, on va essayer de tous les buter au silencieux en mode ultra rapide, la fuck, hein. Genre, je commence à en avoir marre là, si ça marche pas, j'arrête l'épisode ici et on reprendra plus tard. Hein. Là, pouh, je suis à côté et fatigué, ok. Donc tu sais quoi, on va tester comme ça. Tout papa me teste. Oh non, ça n'a pas marché. Oh là là, je suis surpris. Bon ben voilà, cette mission de filature prendra fin donc à l'épisode suivant. Moi je suis fatigué, je meurs de chaud et ainsi de soif. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé donc un bon moment en ma compagnie sur cet épisode Watch Dogs. Et j'ai plus une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.